Grand ciel au nez. Bonjour Vincent. Ça va? Ben, donc, ce qu'on voulait savoir, ben voilà, c'est tu as cet endroit qui est à toi, qui est le Vincent, qui s'appelle le coin Gascon. Et ce qu'on cherchait, c'est à savoir un petit peu déjà ce qu'était le coin Gascon, et puis après cette réunion que tu veux créer avec l'association possible pour faire les zinzins. Le coin Gascon est né d'une idée aussi un peu zinzin il y a 5 ou 6 ans, qui émanait de l'association que je préside, à savoir d'ACIKEM. Cette association est venue ici répéter une pièce de théâtre. Puis on a décidé de faire un comptoir et puis on a décidé de faire des choses autour. Et puis les choses se sont faites un peu comme ça. J'aime bien les animaux, donc pour mes enfants et avec eux, donc on a progressivement agrandi un petit peu le cheptel avec des chevaux par exemple qui n'étaient pas à la base. Très modestement contribue, j'espère, à transmettre un peu la culture locale. D'accord. Et donc, dans Gascon, il y a Con, et c'est pas très loin de Zinzin, quelque part. donc, la folie communicative est venue jusqu'ici. Bon, c'est un endroit éloigné et isolé du monde. Et j'espère qu'on va pouvoir faire de belles choses, à commencer par le jardin Zinzin qui aura lieu le 21 mai. D'accord. Et par rapport, donc là, il y a tout un travail qui est mis en place pour ça. Voilà. Qui est un. Ben donc, déjà le réaménagement là, peut-être. Donc, retrousser les manches pour nettoyer et embellir et améliorer le coin Gascon en ce printemps. Ce qui me donne vraiment du cœur à l'ouvrage parce que j'ai quelques soucis physiques en ce moment et ça m'aide beaucoup à relancer un petit peu tout ça. Tu as participé à ça il y a 15 jours. Une toilette sèche, oui. Voilà, magnifique et qui s'est, déroulé sans plan, sans projet, avec les idées de tout le monde. Je crois que le résultat est assez sympa. Idem pour l'estrade qui va certainement voir le jour ce soir. Il ne manquera plus qu'un petit coup de peinture et de finition. Alors, il y en a une grosse jument. Il y a une jument de trait aussi. Donc ça, c'est des ponettes hollandaises. On a essayé de garder les races du coin. Là, tu as une vache gasconne qui est de la même couleur de poil que tes collègues. Ah oui, je reconnais la couleur des cheveux. Il t'aime pas lui. Mais si. Il a pas arrêté tout. Je vais te montrer ce qu'il avait sur la tête encore jusqu'à hier. Ah oui. Voilà. Ce qu'il a perdu ce matin. Ah, c'est ce matin. Voilà. Mais ça. Hier, tu vois, t'as encore du sang dessus. Si tu sens. Donc, alors, ça tombe du sol. C'est comme du. Tu me disais que ça tombe tous les ans. Oui. Et ça repousse au printemps sous forme de velours. Tu as récupéré plein d'outils qui correspondent à tout ce qu'il y avait dans le temps ici, puisque vous êtes une très vieille famille d'ici. Donc ça a quand même beaucoup d'importance dans le choix de ce que tu as sélectionné comme type d'outillage, tu vois, qui vont être présentés aussi dans le jardin Zinzin. Il y a plein de choses. Alors il y aura, oui, effectivement, ça permet de dépoussiérer un peu tous ces outils entreposés au coin Gascon, puisque il y avait effectivement quelques outils qui restaient de la maison, mais tous les outils qui sont à la ferme m'ont été confiés par des gens qui souhaitaient ou s'en débarrasser ou les entreposer dans un lieu où ils pourraient continuer à vivre. Donc c'est avec grand plaisir que j'accueille l'association qui va pouvoir permettre de remontrer et de faire reluire tout ça. Ouais, c'est super. Et puis d'en faire profiter aussi tout le monde. Tout le monde, tous les gens qui vont venir voir ça. La majorité des personnes qui seront présentes à cette manifestation ne connaît pas le site, donc pourront
Donc à cette occasion, découvrir les outils, venir faire un petit tour, dire bonjour aux animaux qu'on a autour de nous. Et puis surtout profiter et vivre cet état d'esprit possible. Il y a une chose, je m'aperçois qu'on n'a pas dit aux gens. Où est-ce qu'on est en ce moment ? Alors, on est à Sobrigue dans un endroit qui est encore assez préservé puisque il jouxte donc le marais d'Ors qu'on a là derrière. En faisant quelques pas un petit peu plus loin, tu vas apercevoir Cabreton d'où tu viens. Et c'est un endroit, voilà, c'est un carrefour, c'est une hauteur de Sobrigue. Il y en a 3 ou 4 dans le village. Sur notre gauche, il y a la vallée de la Dour jusqu'à Bayonne. Et puis là tu vois jusqu'à Suston, Cabreton. Ouais. Et voilà. C'est un endroit culminant. On est sur une carrière. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer ici il y a 7 ou 8 ans. Et voilà. J'aime beaucoup cet endroit. D'accord. Et j'espère que vous l'aimerez aussi. Eh ben, on va le partager, et voir un peu ce que tu as fabriqué en bas, tout ce que tu as fait quand même, ouais. Toute la base. Donc on est à Sobrigue pour accéder au coin gascon. C'est assez simple, il faut prendre la direction de la zone artisanale Laoury, donc la route d'Orx, puis la route de Saint-André de Seignans, et c'est la première route sur votre droite. Et après, si vous arrivez par la Nationale 117, par Saint-André de Seignans, c'est très facile. La deuxième route, goudronnée sur la gauche en allant vers Sobrigue. Voilà. Okay. On est à 8 km de Tyros, à 19 de Bayonne, à 9 de Labenne et 12 ou 13 de Cabreton. D'accord.